من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نقوم كما تبان خير شير بكوني سابق جيتا ديفيرانس entre ce qu'un Bouddha et Javed est présenté comme l'islam. En vérité, دين الله سبحانه وتعالى c'est دين qui est bien préparé. Et دين الله رب العالمين rien دين qui joli. N'importe qui s'en a qui peut mettre en pratique sa دين là, les mêmes livres, pour le premier, pour jouir, bon fruit de sa دين là, en vérité, le léa, la paix, sécurité, dans le lien, et puis grand prix dans Akhira. Il est devoir de chaque musulman qui cherche دين الله سبحانه وتعالى. Vous demandez Allah subhanahu wa ta'ala qu'on trouve un légament, un fausseté qui a attribué Ali. Et en même temps, il y a un bon temps pour nous comprendre qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les bannes présentent un gars de l'islam qui va le kafir, qui est satisfait avec ça, c'est pas nous qui pouvons dire nous l'islam authentique et nous l'objectif. C'est présente une qualité d'islam qui va le kafir pour satisfaire avec ça. Malheureusement, il y a des gens, pareil comme à longtemps, je dis taxé, ça va là par contre, on veut fini là, les infinis gagnent la guerre. Tout ce qu'il nous faut dire, nous va nous ravir, nous pas content pour fait, jamais nous pouvons la raison. Maintenant, content pour fait, je vais la raison. Comme ça même, nous, à l'Oumdawa, nous me félicite Donald Trump pour sa décision qu'il prend. Il me donne Jérusalem dans la main, ben ensuite, nous, à l'Oudawa Nord, nous sommes américains, nous, à l'Oudawa Nord, nous sommes les rois. Fini, nous devons dire la vie à la main. Tout raison, c'est ceux qui pouvaient la raison. Mais ce qui, à chaque fois, nous dit, ce qui paraît très ridicule là-dedans, si vraiment nous dit, c'est digne qui repose l'enseignement méritant, si vraiment nous dit, c'est digne faire plaisir les rois, l'Arabie Saoudite, ou bien n'importe qui s'en a, un digne comme ça, tu vois un digne fragile. Et alors, c'est pas avec palabre que tu peux miser avec grâce à digne là, mais c'est avec un plaisir où tu peux venir, où tu peux montrer. Comment dire à l'Oudawa Nour, un digne qui vend de l'eau, satisfait à l'Arabie Saoudite, un digne qui se l'objectif, produit à un musulman pro-américain, comment se dire c'est un digne qui n'a pas base au Coran et Khadid? Qu'est-ce que se dit, comment il n'a pas base aux paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paroles des bons sahabas, paroles des bons ulama, les bases aux Donald Trump Pindia, George Bush Pindia, ou bien l'autre Pindia, l'autre Pindia. Je ne peux pas trouver même un bien musulman comme Al-Boudawa de Mou se dit c'est un faux digne. Mais, bien-t-il qui cherche la vérité. Et malheureusement, une chose qui s'incline encore là-dedans, ça programme qu'il nous fait faire là, nous capables de dire. L'origine, sa programme-là, c'est une rencontre qui fait avec les mêmes lits, les demandés avec nous. C'est là sa rencontre-là, le 30 octobre 2017, dans le Madrasa Al-Salafiyya, dans lequel Frère Javed, il demande une rencontre et il dit une fois vite, nous vient sur le principe pour établir qu'il n'a pas d'Ali Maurice, pour bien arriver pour défendre Jihad d'Ali Maurice. Alors quand il vient avec nous, vers ce qu'il vient avec nous ne pouvons répondre. Mais Javed, vous considérez-moi égaré, vous considérez-moi égaré, mais qui te vient de faire ici là, invite-nous pour travailler, pour qu'il nous travaille, comme a dit l'ONCEL, l'ONCEL méthodologie, l'ONCEL principe, les gens différents. Et j'ai moi pas qu'on te dit, moi j'ai assez bâtiné, moi qu'on te dit, toi qu'on me dit, moi considère-toi égaré, toi considère-moi égaré, j'ai donc te me pose moi arrogant là, toi qu'on me soit disant, moi déjà qu'on se dit, moi j'ai ok. Mais nous c'est pas l'autre point là, qui
moi d'accord mon mon montrer toi qui manque quelque chose qui m'ont pas d'accord avec toi vous allez pas te dire tu me prétends de pas pour me dire mensonge et d'ailleurs tout ce qu'il veut poster le Facebook il poste elle veut poster ça donne pas pour nous dire soit disant il pas pour nous dire nous nous déclarons arrogants quand nous déjà nous concédons déjà ok on va avoir une toi un point qui n'est pas d'accord avec toi mon envoi ça les 23 décembre 2017 mais déjà combien mais c'est un jour point non mais un jour point non ça programme qui nous fait faire aujourd'hui là nous vient envoyer ça et nous vient nous attendre on va dire une réponse ça mais il y a une réponse ça mais C'est qui nous peut dire un an de cela nous finit en voyage avec. Un an de cela nous finit en voyage avec. Il n'est pas fini la réponse, soit nous nous banons, il convaincu nous banons aux Américains, nous, il convaincu nous nous disons, nous félicitons les rois pour le cinéma de l'Arabie. Maman, ça nous dit, nous nous banons, nous attendons pour féliciter les rois. Si il peut ouvrir un cinéma dans la rue, il présente nous comme ça. On va dire nous, le bien saint Bandelès, avec le cinéma, parce qu'il a la rue peut ouvrir un cinéma. Alors, ça c'est bon, sauf façon qu'il présente nous, et une introduction, le haut sa programme. Alors, mon premier point, c'est important, c'est qu'il nous a envoyé ses 48 points. Et il a encore pris, il nous a envoyé encore points. Et pour arriver surtout, Inch'Allah, prochainement. Et 48 points nous viennent envoyer, aujourd'hui nous avons tous seulement 20 points. Premier point, c'est sa dîme qui j'avais bien invité à ça. C'est une dîme qui représente un danger pour nous les Maurice, il représente un danger pour nos communautés musulmanes dans ce pays-là, il représente un danger pour son maman, pour son papa, pour son sœur qui veut vivre dans ce pays-là, il représente un danger pour son madame, pour ses enfants, il représente un danger pour lui-même. Sa dîme qui t'invite vers ça là, c'est un dîme qui dangereux. Et ce qui prouve, ce qui nous veut dire, c'est quand arrive le moment pour faire face, il parade. Quand arrive le moment pour faire face, il parade. Jamais de. Avec fierté, il vient faire annonce sur Facebook, son beau-frère Réaz, qui est le premier shahid dans l'île Maurice, et je vais inviter pour faire son salat janaza, ça qui chose là, il crée. J'avais dit, son beau-frère Réaz, qui est shahid dans la Syrie. Quand un journaliste pose des questions, il dit, jamais les vinales de la Syrie, les vinales fait un travail humanitaire aux frontières à la Turquie, ils disent, je ne pense pas qu'il y a un quitaine qui pour rentrer dans la Syrie, ou à la guerre pour rien, ou sans qu'il connaît, qui peut dérouler là-bas. Alors, c'est qui on peut redire où? Ça dit qu'il vient vite vers ça là, il y a une fausse dîme, parce qu'il s'attire, ou pas qu'il y a un droit sans langage, qui veut ou dire, ou beau frère bin Shahid, ensuite il dit beau frère, il a beau frère, on a le produit dans la Turquie, il n'est pas dans le même dans la Syrie, il n'est pas dans le djihad, il a fait un travail humanitaire. Déjà, j'avais une vanne, une petite Maurice, à un moment donné, parce que vous êtes sur 4x4, avec ça, elle a la voix d'hier, une petite tout, c'est qu'il va. L'inquiétude, il peut faire la hijra, il a besoin l'État islamique et le Facebook, il peut faire voir quand il rentre jusqu'à là-bas. Et quand arrive le moment devant l'autorité, devant le journaliste, il dit,
ça nous démenti ça catégoriquement. Nous partons ni pour le faire en Syrie, ni dans la guerre sainte. Nous ne pas final là-bas pour la Syrie, ni nous final là-bas pour le faire djihad. Comme ça même, dans son coup de baïd, les flat ISIS, et pas juste les flat ISIS, les 6 tipiers, ça a 10 ans qu'il ISIS PPAC là. Dans son coup de bas, le Facebook, les 6 tipiers, le YouTube, les 6 tipiers, ça a 10 ans qu'il ISIS PPAC. Il dit, ça 10 ans musulmans qui ne versent ou bien remboursés. Il dit, est-ce qu'il 10 ans de musulmans qui ne versent, ben à pour répondre ça, si ça cause la propos, et ben à notre cause pour nous causer. Ça même vérité là, il existe, ça 10 ans qui ne versent là, ils inversent ça. Ça c'est inversion. L'autre côté, avec la journal, avec journaliste, les dit qui c'est qui a existé c'est un crime, c'est une petite chose qui parce que quand nous faisons action des bandages, les trouvons des affaires qui ne sont pas bon, je peux faire un crime. Je peux faire un crime. Alors, ça c'est 3 points juste pour réfléchir ban frère. L'islam, c'est un dîme qui est préparé par Allah subhanahu wa ta'ala pour vous pratiquer dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sous l'autorité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est un dîme pour vous pratiquer en tant qu'Américain sous l'autorité de Bush ou de Trump. Ça, c'est l'islam. Et il n'est pas possible pour dire l'islam et on pratique d'une façon qui finalement on trouve où on rentre dans une coince où ou bien ou bien les deux malheurs ou bien cause où c'est-à-dire difficulté globale musulman. Donc l'islam c'est un livre qui enseigne au cours qui nous comporte nos campagnes intelligents et c'est ça même qui j'avais dit présent dans l'Oyama comme ban lâche dans qui paye l'Amérique. Banquipé, les rois. Moi, si mon père l'Amérique, l'Amérique, c'est le gouvernement Maurice. C'est le père. Journaliste, le père, gouvernement Maurice. Alors, ce qui nous veut faire comprendre, l'islam, c'est pas une ligne pour dire non. C'est-à-dire, montre cette l'État, c'est en bas, parce qu'on est musulman ou n'a pas pire. L'islam, pas dans ça. L'islam, va dire, quand on l'ennemi, faut, on crie, bon, capable, bat-toi. L'islam, va dans ça. Ouais, ça viendra aller, puis être capable d'entrer aller. Ensuite, quand on trouve difficulté, vivre où, au sens langage. Alors, ça, c'est un premier point pour montrer où. Sa dîme qui vient viser ça, c'est une fausse dîme. D'ailleurs, lui-même, il confirme ça. Il dit, dans une post au Facebook, oui, même qui met photo, il y a soi-disant. Et pire pour cause hack contre le gouvernement par vous. Je veux dire, il n'est pas pire, lui, pour cause hack. Mais finalement, quand vous dites, il y a demandé, il est venu présent. Il présente un gars de l'islam, il invite un gars de l'islam. Lui-même, les leaders, là, même, il nous sauve. À ce moment-là, qui fait suivre ça. Qui vous êtes, situation, ça c'est le premier. Bismillah, wa salat, wa salam, wa nabiyina, Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, ajma'in, wa ba'd. Sa ligne qui vous avait invité là, donc c'est la phrase d'une ligne qui n'est même pas convaincue à 100% là-dedans. Quand vous avez des choix sur Facebook, et sur des choix avec journalistes et gouvernements, et aussi c'est une ligne qui incite beaucoup vers une attaque, surtout une attaque avec un innocent, ou incite un jeune, et moi-même, que rien ou la guerre. C'est pour ça que j'avais invité pour attaquer un restaurant de un Américain. Quand après j'avais, c'est lui qui incite pour aller mettre bombe. Le restaurant de un Américain, il y a un homme courageux. Pour moi, son commandeur, le service qui l'incite pour faire ça. Donc, nous disons, mon frère, comme réponse à j'avais, si l'armée américaine veut attaquer un pays musulman, définitivement, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça, c'est que je me dis sur Facebook, on va dire aux hommes américains, qui applaudissent les américains, etc. Ça, c'est juste que j'ai que les mots du monde, ça.
si kafir même va pas du tout s'achouna par vous, comment un musulman va pas se féliciter un kafir qu'on a préparé et va attaquer un pays musulman? Donc ça c'est juste rabâcher, nous jette l'émotion du monde. Et dans cette situation, et aussi dans cette situation que nous pouvons vivre, parce que nous ne pouvons pas faire rien pour arrêter ça, donc nous dire qu'il est dégoût pour les Américains, visant parce qu'ils nous transgressent les limites par un album dans un restaurant américain qui est là dans un pays qui nous fait vivre. Pour une raison suivante. Premier affaire, l'Américain qui est dans ce restaurant-là, et là-dedans, c'est un innocent. L'innocent, qui ne sait pas eux, qui fait tout, qui fait tuer, qui fait attaque pour un frère musulman dans un pays. Dans un pays, quand il y a un attentat au sein de la guerre, ce n'est pas maintenant qui peut tuer. C'est possiblement un innocent qui est dans un restaurant-là et qui fait ainsi pour tuer les jeunes. Des jeunes, quand une bombe est éclatée dans un restaurant pareil, l'impossible qu'il y ait là les jeunes avant d'un Américain là-bas. L'impossible qu'il y ait là les jeunes qui sont innocents avant d'un Américain là-bas. Donc, attaque banda, assassine jeunes, assassine ban innocents. Il y a des erreurs qui gravent. Et aussi, quand une bombe est éclatée dans un restaurant, vous avez un lieu public, vous soi-disant avance, disant un musulman, à cause qu'il y a un Américain là-bas, il y a une possibilité, il y a un musulman aussi qui est présent là-bas. Et nous connaissons ça d'un musulman, les plus graves auprès d'Allah, qui destruction ça les mondes là. Et quatrième, ça fait des attentats là, 23 et 25, il augmente debout l'islam dans les pierres de Mankadir. Et en place, qui nous fait une casse de Hachrek Nogin, nous fait y sauver. Ça a quand même des attentats là. Il n'y a aucun jeune man média qui n'a sa pouvoir pour véhiculer man message, pour manipuler, faire je présente l'islam comme une religion qui prône la violence. Ça a quand même des attentats là. Faire aucun jeune man koufar pour taxer man musulman comme man terroriste. Ça a quand même des attentats là. Il y a un site. Certains banques coupables pour venger quand un musulman qui est innocent, faible dans un pays que cette minorité. Combien de cas qui ont gagné dans un pays? Quand une madame qui est innocente, qui est faible, peinant aucun support, peinant aucun personne pour des familles, qui ne gagne toute ma trappe dans la tête, vous savez même tout lui dit. La cause pour venger, dit ça, des malattentes appareils. Ça va me calmer des attentes là aussi. C'est du décourage aux jeunes pour pratiquer l'islam plus authentique. Pour mettre en pratique les sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour m'habiller jeune, pour m'assam, pour avoir de la barbe, pour ça décourage aussi les filles, les jeunes filles, pour mettre l'hijab et l'hijab, la cause qui se fait gagner en entier avec l'islam, qui a aujourd'hui média qui me fait dans le jeu. Et aussi avec prétexte, parmi ces bonnes conséquences, encore avec prétexte, combat contre le terrorisme. Gouvernement de Bangui Koufar vient pour adopter ben la loi qui beaucoup figure envers les musulmans. Et ça, ben Saint Paré nous convient beaucoup. Et avec traiter ce combat pour le terrorisme, nous trouvons un gouvernement de Bangui Koufar pour m'en suivre chaque personne qui essaye d'en pratiquer ce digne. Et dans le pays, fin même adopter ben imam comme espion. Et dans le pays, fin même faire formation d'un imam, comment vous suivre certaines de Ban Moussali et cette région de Sarapola là-bas. Alors ça c'est réalité, ben, conséquent de Ban Kisos pareil. Avec prétexte, combat contre le terrorisme, gouvernement Ban Kaye Koufar, gagne pour mettre une restriction d'activité d'Awa. Quelques jours de cela, Mazid Mohamed bin Hadi, dans Marseille, un Mazid Salafi, fin fermé. Je parle de celui qui a un terroriste. Je paie celui qui fait une formation un islam qui est authentique. Et aussi avec prétexte, combat contre les terroristes, gouvernement d'un pays koufar, gagne pour impose l'enseignement de certains sujets dans une bonne école pour plus éloigner nos bonnes jeunes de l'idine Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça même parfois commence mes dégoûts d'idine Allah rabbul alamin et bonne pratique qui est enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il y a une future génération qui supposément pour ça y est flambeau, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je suis un iman,
شيخ تيمين رحمه الله un intelligent, pas un bouffon comme j'avais, qui prétend, qui blâme tout dans l'ulama. Les gens qui sont, c'est qui est important. Ben qui jette bombe parmi Benjamin, avec prétexte des autres parts, qui s'affront partie des djihad dans le chemin d'Allah, en réalité, ce qui nous fait du mal à l'islam, et ben musulman, beaucoup plus qu'ils y bien. Donc ça, c'est deuxième point. Ben frère, qui j'avais bien vite, ou ben attentat, vous tous, ben innocents, et nous faisons mettre une conséquence devant vous afin que vous réfléchissiez. Est-ce qu'il est un livre d'indigne qui est intelligent? Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah. Troisième point qui nous est là avec nous ce soir, c'est Javed est d'accord avec attentat suicide. Alors, à part attentat comme ça, il y a un autre cas qui est attentat qui a du monde qui met gomme avec lui. Ensuite, il y a une place. Et il est quartier avec tout le monde qui est présent. Alors, cette action-là, c'est une action qui, définitivement, l'islam n'est pas d'accord avec ça. Et ben, normalement, qui est juste jamais d'accord avec une action pareille. Parce que dans une action pareille, fait un doute qui nous trouvait là-dedans, c'est tromper. C'est-à-dire, ben, tout le monde innocent, puis à travail, dans le matin, on est en train, un tout le monde est en train de mettre une bombe. Et il est parti même, il est parti même du vol, il y en a d'autres qui il a trompé là-dedans. En plus, cela, c'est un moyen pour te pétouiller aussi, ben innocent. Il y en a beaucoup, ben innocent. Comme il y a un attentat qui suicide une fille comme ça, même dans l'Arabie, même dans Madina, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, près avec Masjid Nabawi, c'est-à-dire très près de Haram. Parce que là-bas, maintenant, il y a fait un attentat suicide. Et comme ça même, nous trouvons certains moyens que Manjibon de salir l'image de l'islam. Si Manjibon présente l'islam comme ça, mais qui carrefour pour intéresser pour rendre un dîme pareil? Un dîme qui peut faire Manjibon, bien sûr, il va innocent, mais bon, partout, et en même temps, pétue, je peine. En plus, cela, comment, frère Samoud, il attire l'attention. Parce que même, quelque chose qui est arrivé, quand Manjibon met bon, partout, et un Zimoun, il met un gomme avec lui, il a éclaté, il y en a d'autres qui amènent presque le même résultat. Alors, il y a qu'un jeune, ben, pays kafir pour en Dieu, si je la loi, là, ben, musulman, je suis un peu dans un pays kafir, alors je viens vous mettre plus beaucoup la loi, dire, là, ben, musulman, et en même temps, il pousse certains ben kafir pour penser vis-à-vis ben musulman, parfois, ou trop, d'apparaissent, ben là, il y a une place de mettre un bombe, de déclarer ce pas pour un dimon, en retour, qui va la faire? Par centaines de musulmans, je tuais si ça cause faire, à cause de certains petits esprits qui finissent à faire un action pareil. Alors, il y a d'autres qui, ben, qui ont l'intelligence, à part ben, qui ont l'islam dans eux, jamais ils sont d'accord avec une petite chose pareil. Alors, cher Thierry, Rahimahullah, parmi mes paroles qu'il dit encore concernant ben, attentat suicide, il dit quand un suicide que certaines personnes font, par ça, il y a un explosif, et il y a un code de couffard avec ça, et ensuite il explose, ça qui chose. Quand il prend une balle là, il dit que ça fait partie de tout un djimoun sur propre nafs. Un djimoun qui prend une bombe, il y a même un code de couffard, il fait ça, alors après ça, suicide même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous de manière chose pareille. Il dit que celui qui tue lui-même, il pourrait être dans le jahannam tous les temps. Ça, c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous les bons de ça qui tue lui-même. Il faut continuer à faire ça dans le jahannam pour tous les temps. Alors, attendre un suicide, il y a un doute, c'est un point manso qui est anti-islamique, qui va faire une partie de l'islam. Alors, comment il est capable de vivre une forme de djihad? Il y a un doute qui jamais il y a une forme de djihad. Au contraire, ce même résultat qui est amené, ce même résultat qui est négatif pour l'islam. Alors, un discours pareil, pas capable, on n'est pas un digne aussi joli qu'appelle à l'islam. Au contraire, cette action-là, c'est montrer que c'est un digne qui peut n'appliquer pour personne et c'est un digne qui assort du sang du monde. Ça, c'est un du monde qui peut trouver, qui attend un souci d'un discours qui goye. Ça, c'est un du monde qui assort du sang d'un du monde. Et pour soi-disant ce qu'il veut dire, il y a même un bon patron qui s'est Al-Albani vient donner. L'eau, une petite chose spécifique. Et qui en vérité sera le mardi sur un patois. L'eau attendant suicide, un paquet ou un autre, une chose comme ça.
tout ça va nous. Quand toi là, tu veux dire pas un grand. Surtout quand on attend dans une situation de nos jours, tout ça là, c'est une chose qui est haram. Cheikh Albani, ce n'est pas encore clair là. Il y a même un cas spécifique. Quand Cheikh Albani explique un cas, quand ben, musulman, l'armée musulmane fait la guerre avec l'armée ben, kafir. Les musulmans peuvent déjà faire la guerre avec les deux. L'armée musulmane peut déjà faire la guerre avec l'armée kafir et jeter là un chef, un khalifa, un gouverneur, un chef pour un musulman qui va musulman peut faire la guerre derrière sa l'autorité là. Alors, si sa chef là lui trouve qu'il a l'avantage d'envoyer un musulman pour aller vers l'ennemi et qu'il peut avoir l'autre choix à part ça pour faire un musulman faire victoire, alors, dans ce cas spécifique-là, M. Karimani, il dit qu'il a un droit d'envoyer sa musulmane pour lui aller ouvrir le chemin de ma musulmane. Alors, nous lire cette fois-là, comment il était, afin qu'il nous comprenne qui M. Karimani veut dire, et bien, il y a d'autres qui s'accrètent, qui sont là, ça, ils sont qui courent. Il dit, quand un patois de M. Karimani, c'est un patois qui court, qui fait parce qu'il n'y a pas de cause concernant ce qui vient de pratiquer actuellement. Premièrement, Cheikh Karimani, pas mes causes du tout, ça va être un attentat suicide qui peut dérouler de nos jours. Mais il me cause concernant une situation quand un pays musulman peut déjà faire le djihad contre un pays kafir, et après qu'une autorité vienne disait qu'il y en a plus de civils, là-dedans qui dit non, alors il permet ça qui chose. Il y en a qui lui permettent envers l'armée des bandes coupables et non plus envers les civils. Et ça, quand on fait la guerre, on va l'armée des bandes coupables non plus avec les civils. Si paix n'a aucun moyen, là aussi, si paix n'a aucun moyen, excepté sa moyen-là, pour qu'il soit musulman capable de gagner des déçus, le bain ou pas. C'est quand même à nous dire, sa opération-là, nous va trouver qu'il est permissible, excepté sur un étendard islamique. C'est ce qu'il faudrait que, et dans ce musulman, les élèves d'un cas spécifique pareil. Quand l'armée musulmane fait la guerre avec l'armée kafir, dans une situation pareille, peut-être les élèves qui sont capables, si chef fait pour qu'il soit un musulman pour ouvrir le chemin, et là, si tu veux gagner l'autre, ça du monde là, il y a le délavant. Mais sinon, j'aime du monde mettre bombe avec lui. Il y a les quatre n'importe qui à faire. Il y en a d'autres qui sont considérés comme un du monde qui suscite lui-même et il n'y a même plus beaucoup de temps à l'islam. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Quatrième point. Ce qui nous les a connus et nous peut les attendre, qui parmi une base principale, ou bien on a ramené d'un dernier, tout de tout, qui avait les causes d'eau là. Et ça, c'est comme une deuxième base de ce Dawa. Il est clair, brillant comme un soleil, il est clair comme on mène la pleine lune. Ce qui lui invite, lui incite et lui encourage d'un musulman, musulmane, pour aller à djihad. Un exemple qu'on a mentionné sur le Facebook, de ce moment, groupe bain, etc. Jihad, c'est un mot shara'i. Kalimatun shara'iyatun. L'existence d'un islam. Il y a une ibadat. Mais malheureusement, j'avais dit qu'on a un mot islamique, mais qu'on a dit en arabe, kalimatul haq, urida biha al-ba'atil. Ce qui, une parole shara'i, mais ce n'est pas PCVI d'enfausser une parole. C'est peut-être un djihad, soi-disant pour amener vers Ibadat, mais ici pour amener vers Fitna. Pour qu'il n'y ait pas un type Benjamin, servir le mot djihad, quand nous disons djihad, une parole de dîme, une parole islamique, mais PCVI ça comme un paravent pour inviter Benjamin, pour inciter Benjamin, pour encourager Benjamin pour aller vers le mal. Tel comme qu'on m'a dit un attentat suicide, ben massacre, ben zulm qui veut faire l'eau ben jimoun. Si nous regardons bien, si David vraiment, mais si vous donne l'honneur à ben ulama, il n'est pas les premiers, c'est nous qu'on m'a dit avant ça. Quand je ne suis pas capable de défendre avec parole Allah et parole Rasoul, je ne tous les temps dénigré ben ahlul bid'ah wal ahwa. Je ne tous les temps dénigré ben ulama, parce que ça va l'aimer ben soldat pour qu'on dit ça. Qui dit ulama ou l'haïd ou l'nifas? Ça c'est ben alim haïd et nifas. Je dénigré ben ulama, parce que ça c'est comme on dit haïd madame, qui la loi haïd madame,
qui la loi n'y fasse, madame, dit qu'on s'est dans sa main qui s'osa. Alors, je, mon ahlul ahwa, mon ahlul bida, quand je ne suis pas capable de venir face à face avec parole Allah, parole Rasoul, devant mon ulama, parce que mon ulama, pour mes yeux, des autres plats, pour quatre autres mentés, alors, qu'est-ce que je fais? Je déclare, je mal parle, mon ulama, je mets mon casque, comment nous venons dans vie. Si je déclare mon ulama, c'est mon ulama en salatine, mon ulama qui vit en basup, mon chef islamique, mon ulama qui donne fatwa dans l'avantage, c'est mon chef là, mon gouverneur là. Alors beaucoup ben casse, juste le casse, qu'est-ce qu'il fait? Mettre parole Allah, parole Rasoul, mon ulama pour casse ça devant eux. Alors, si j'avais, je suis reconnaître un petit peu valeur et l'honneur de mon ulama, et si vous essayez de comprendre ce notion de djihad, de bien vite du monde vers djihad, de bien vite du monde vers un grand ibadat de djihad, et si vous essayez d'analyser que des façons de comprendre djihad, et si mon ulama vient de comprendre pareil ou bien non, et si vous trouvez la différence, et si vous rectifiez sa compréhension, mais quand il finit croire d'incompréhension, il finit. Il finit comme si il est entré lui-même dans sa compréhension là, dans sa notion là, et il va trouver de l'autre côté, mon ulama fait crase sa façon qu'il va penser là, sa façon qu'il va faire djihad là. Alors, définitivement, qu'il vient faire, c'est mal parole, mon ulama. Alors, méfiez à penser aujourd'hui, comprenez bien, un des mêmes petits d'Awa qui tous les temps avaient pour faire, c'est une mauvaise cause, mon ulama. Parce que c'est mon ulama même qui mène. Comment dire, même pion, même soldat qui vous compte carré sur l'idéologie. Nous disons un coup, Cheikh Saleh Al-Fawzan qui dit djihad dans le chemin d'Allah, il y a une petite chose disciplinée et réglementée par une règle islamique, c'est un ibadat qui est discipliné et réglementé par une règle islamique. Pas juste par l'enthousiasme, djihad, et dans ce règle. Et dans ce principe, pour les vivre dans l'ibadat. Pareil comme en salat, et dans ce même principe qu'ils ont respecté pour les considérer comme ibadat. Mais si vous pouvez faire salat d'après l'esprit, mais qui va arriver. Alors, comme ça même, quand nous mettons le djihad, quand nous mettons, comme un cher Saleh Al-Fawzan, il veut dire, un petit peu discipliné et réglementé par un règle islamique, si Ben K.O. rentre là-dedans, et après qu'il dit monde comment se cause le djihad, ça, les bouffées ont été dites qui vont amener beaucoup plus qu'ils soient l'avantage, si seulement et non l'avantage. C'est un mot qui nous fait crier, ce que nous fait dire djihad. Si tout le monde commence à faire djihad, ça a été dit pour amener un chaos qui, comment dire, ce dito pour plus fort qu'ils soient l'avantage, si vraiment, comme je suis allé faire ça, dire et non l'avantage là-dedans. Alors, mon ulama, de façon de voir djihad, n'est pas pareil comme j'avais. Jamais ni pour pareil. Alors, j'avais ce qui m'a invité, c'est pas vers djihad. Mais plutôt, c'est vers la guerre fitna, qui est contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs façons. Nous prenons une façon. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait djihad dans Makka. Et alors, si nous y cherchons, même pendant 100, 200, 300, 500 par année, les pareils, comment les ressembler, même si nous cherchons à les musulmans de l'époque, qui l'islam qui commençait dans Makka, nous pas gagné le droit de faire djihad, nous pas gagné le droit d'être en djihad. Nous disons, Cheikh l'islam, vous êtes venu à dire, ça n'a pas pensé à l'église à l'époque qui m'a dit, c'est dans les rois, qui m'a dit de l'Ikas. Cheikh l'islam, vous êtes venu à pas maintenant la main contemporaine qui nous met causé là. Cheikh l'islam, vous êtes venu à ce qu'il dit. C'est lui parmi les moumines qui est le territoire, quand il retrouve lui-même faible, ou bien qu'il est dans une époque quand il est faible, qui lui fait amal le ayat qui peut enseigner, prend patience et pardonne celui qui nuit à Allah et son messager. Parmi les Ahlul Kitab et les Mouchrik. Si nous mettons dans une situation quand nous faible, là qui plie bon, ce n'est pas même l'ulama contemporain, pas même qui, comme a dit, peut vivre sous, juste même l'autorité, peut gagner carte. C'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, peut dire. Excepté si j'avais trouvé dans son époque, si tu prends carte, mais ça m'a gardé un ennui. Alors, qu'il veut dire, prends patience
et pardonne celui qui nuit à Allah et son messager parmi Banahul Kitab et Ban Mushrik. Après, il continue de dire, quand à Ban tient à la fosse, Ban l'azot fait amal, le ayat qui fait enseigne combat Ban chef koufab. Ça ne vous plaît, il veut dire, si nous faut que nous capables de faire jihad, là nous faisons jihad. Nous que nous trouvons quand à Ban tient à la fosse, Ban l'azot fait amal, le ayat qui fait enseigne combat Ban chef koufab, Ban qui critique din à l'islam. Et je te fais, alors ça va dire qu'on l'a, je te fais amal le ayat qui fait enfin combattre ban ahlul kitab jusqu'à ce qu'il la donne jizya avec je te proclame dans un état de l'humiliation. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est dit clair. Et à ce moment qu'il vient faire jihad, lui recommander faire jihad, et à ce moment lui recommander prendre patience et pardonner et faire du'a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un point. Deuxième façon, deuxième point que nous trouvons comment j'avais sur façon croisière, les contredire, façon de compréhension des djihad de Manoulama, c'est que djihad c'est le chef d'un pays musulman qui déclenche ça. Non plus si c'est un petit groupe musulman prend ça dans toute la main. Nous faisons une différence là. Peut-être entre nous, c'est chef d'un pays musulman qui déclenche ça. Pas non plus un petit groupe. Mais si tu l'esprit, qui ne comprend pas, prend un grand acteur comme ça dans l'armée, avec prétexte qu'ici pour atteindre un gouverneur, un chef islamique, mais pour être atteindre même. Alors nous commençons à écraser. Mais quand tu es là, fini, c'est le premier, vous savez, comment nous faisons ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le imam, chef des bandes musulmans, il y a un bouclier qui faisait combattre un ennemi depuis fort derrière. Et vous êtes servi comme une protection. Alors, imam chef des bandes musulmans, c'est derrière lui qui nous fait un djihad. Alors, d'après ça, il faut nous comprendre qu'il fait un djihad sans permission du chef des bandes musulmans. Il n'est pas permissible qu'un petit groupe musulman déclare djihad contre n'importe quel pays, aussi longtemps que ça va être autorisé officiellement par le chef des bandes musulmans. Al-Hassan al-Basri le dit, il y a quatre petites choses de l'islam qui concerne les chefs des bandes musulmans, qui concerne Sultan, le jugement, le butin, djihad et Jum'a. Ça, c'est les troupes dans l'armée des Sultan, chefs des bandes musulmans. Alors, il n'est pas émerveillé par le mot djihad, il n'est pas consommé un principe, il n'est pas consommé un règlement, quand nous étions regardés même dans Facebook, dans Jumma ou bien dans les autres causeries, dans quand il y a le gazon, djihad, il y a un site même du monde, sans qu'il y respecte même principe islamique. Troisième petite chose, je suis capable de dire, comment j'avais de façon voir djihad, de contredire principe, de façon voir de même relâmer concernant djihad, c'est qu'en vérité, ça c'est le djihad, c'est pas ben la guerre qui apporte plus la paix et l'humiliation côté musulman. Toujours nous retournons à Ibn Taymiyyah rahimahullah le dire, c'est lui qui trouvait, qui sa combat, qui a fait le djihad là, ce désavantage, lui plus qui sur l'avantage, lui vint connu, qui c'était un combat de fitna. Bon, je tiens à répéter, c'est lui qui trouvait, qui quand nous fait le djihad, il n'y a plus beaucoup d'avantages, qui l'avantage, lui vint connu, qui c'était un combat de fitna. Alors, au nom des djihad, des conseillers fitness avec et son même compagnie, qu'il fait prôner, fait faire. Alors, on ne peut pas obliger au meilleur imam dans ce contexte-là, dans ce moment-là. Quand il trouve qu'on perd des djihad, il n'y a plus beaucoup d'idées qui viennent. Un salarché lui dit, la réalité des djihad, c'est qu'il, premièrement, ben, le musulman, je te sauvegarde, je te prouve la fausse. Et ensuite, réprime, ben, le mouchik, et remet, ben, là, dans cette place. Pour sauvegarder nos propres la fausse, et puis nous réprimer Ban Mouchik, nous mettre dans cette place. Si Ban Musulman est incapable de remettre Ban Mouchik dans cette place, alors, je puis sauvegarder la fausse à travers le cessez de feu. Ça, c'est même parole de Manoulama. C'est pas parole de nous, parole. Nous, c'est parole de Manoulama. Qui Allah subhanahu wa ta'ala résume comme une lumière pour nous, et nous mettons une différence de façon de voir des avec et façon de voir les mêmes ulama concernant le djihad,
Et de là, nous passons au cinquième point, à Frère Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ba'd. Alors, le cinquième point, et c'est concernant le khilafa, qui est considéré comme un point humain fondamental dans la dawa de sa frère, Frère Javid. Alors, il prétend, il fait du monde croire dans ce mal exposé, dans ce khutbah, et la chute du khilafa, les sources des nouveaux malheurs. Et à qui qu'il a faim, il veut faire référence ici, il veut faire référence à Khilafa Osmaniya, dynastie ottoman, qui m'a encore un enfant dans ce fond 5, je connais qui fait sa dynastie-là, et finalement arrive à sa fin. Alors, il fait un roi qui, aussi longtemps, qui nous est attaché avec Nidin, sa Khilafa-là, il s'est attaché avec Din, et ça l'air, nous pouvons prendre un petit mot, qualité digne, avec qui qualité digne, sa khilafa là, il est attaché, il est solide, et il nous est protégé. Donc, il veut faire référence à Khilafa Osmania, dynastie ottoman, qui vient de chuter dans l'année 1924. Pourquoi nous tenons la notion, l'Osa, dynastie là, haine, je suis fanatique, le madhab Hanafi, deuxième, je suis rempli, avec toute forme de shirk, et ben tu as l'Arabie, et dans beaucoup de pays encore, vous êtes capable de constater, Mardi Nabawi même, section qui l'empire dynastie ottoman une bâtir, et même dans ma cas, tout cela c'est une preuve qui qualité khilafa l'Isséfis. Alors, ce fait qui fait référence à sa khilafa là, aussi longtemps qu'il a, ben musulman si faux, si solide, parce qu'il est cramponné avec Din. Et qui va venir au sud, l'Ovida, et tout en qualité, démagogie. Ensuite, quand sa khilafa là qui est tombée, l'air là qui nous fait être frappé par Van Malheur. Alors, comme réponse, comme élément de réponse, je veux dire qu'il y a un musulman, un adulte, en 1924, nous fait interdire le système khilafa. Il y a un adulte là-dedans. Mais seulement, nous considérons comme un malheur. Nous considérons comme un malheur. Et un malheur, il n'a pas venu comme ça même ça. Il n'a pas venu comme ça même. Faudrait ce qui nous vient planter, nous vient récolter. Alors quand nous mettons le système khilafa, l'empire ottoman, comment nous vient d'yahou, si trempé dans Madhab Hanafi, et pas dans Madhab Hanafi de Abu Hanifa, rempli avec du soufisme, rempli avec shirk, rempli avec toutes sortes de qualités bidah. Alors ce qui nous vient planter, nous vient récolter. كما الله سبحانه وتعالى جاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم pour sa bonne raison là que le système khilafa fin tombé. Donc si nous voulons regagner le système khilafa, qu'il va faire, qu'il va faire, je retourne vers qui din, vers din authentique, ou soit un din qui va vers l'eau shirk, l'eau bidah. Alors si nous retourne vers din authentique, din qui va vers l'eau, notre nous combattre dans le facteur là, pour retourner l'eau digne qui n'a pas base au shirk, n'a pas base l'eau, l'eau bidah. Et d'ailleurs, Rasulullah, alayhi salatu wa salam, il fait mettre clair, et ça, une parmi une particularité de nous dire, quand les prophètes ils mentionnent un problème, ils aussi mentionnent parallèlement avec sa solution de ce problème là. Non plus, qui tout le problème y allait. Non! Alors, ce qu'on retourne vers le système qu'il a pas, c'est un problème qui saute, qui font partie de nous dire. Mais seulement, c'est à l'air de pas finir à nous. Capital, s'il a pas la côte poétique, c'est pas évident pour lui. Ou soit, il écoute ça, il poétique, nous pas qu'on connaît ça. Alors, qui nous vient à faire pour retourner vers le système qu'il a pas, pour vraiment m'établir le système qu'il a pas dans ce le monde là, c'est nous retourner vers Dine Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas base au chip, n'a pas base au bilan, n'a pas base au manfausté, n'a pas base au passion, il n'a pas base au désir, il base le l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul Muhammad alayhi salatu wa salam. Le Prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith de Abu Daoud, quand je peux faire transaction business qui base un système d'abel'in, un système de l'intérêt, alors ce qui peut arriver, et je vous quitte, je vous trappe la kebef. Je vous trappe la kebef, c'est-à-dire pour galoub de yadounia, et bandioun pour contenter avec la plantation, de vous préoccuper avec Dunia, une façon de vous préoccuper,
c'est avec la plantation. Et je peux abandonner djihad. Je peux abandonner djihad, pas un djihad qui nous fait tendre là, mais djihad dans son vrai terme. Dans tout ce aspect, dans tout ce langue. Mais djihad. Alors, pas un djihad qui est bien ici de Banjimoun, comme il va nous aller, dans la Syrie, non, si pas dans l'Irak, non. D'après mes djihad, si j'ai sans venir cela, quand j'ai l'ennemi de faire, dans ma soigneur, sur l'école, il a mis qu'à lever, pour venir faire dans ma soigneur, il peut aller dans les hommes, non, dans la Syrie. Sur l'école, il va mettre à lever l'olivi, pour venir dans ma soigneur, il peut aller dans le djihad, dans la Syrie. Alors, nous faisons djihad dans tout ce aspect, dans tout ce forme, qui peut arriver, sallallahu alaykum, zulla, Allah pour avoir un déshonneur, l'eau sa ummat là, et les consignes les dire, il n'a pas pour enlever sa déshonneur là, hatta tardi'u ila dinikum, aussi longtemps, nous n'a pas retourné vers une dîme. Qui dîme ça? Dîme, c'est un hadith, ou soit dîme de Rasulullah, alayhi salatu wa salam, c'est dîme de Rasulullah, alayhi salatu wa salam. Cheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, bien assez de temps pour faire soyer l'os, nous connaît très bien, qui s'en a Cheikhul Islam, il dit à l'aide de son ban fatwa, à cause de sa ban bid'ala. Ban bid'ala qui est répandu dans son époque. Et avant, il dit à cause de sa ban bid'ala, et autres semblables, parmi ban, munkarat, ban action, ban humain, qui contredisent à l'islam, Allah fait les ennemis de l'islam, gagne le pouvoir et dessus le ban musulman. Et ça, c'est vraiment. Et ça, c'est une petite chose qui nous fait une constate. Et il dit encore, quand Ban Ki-moon fin laisse apparaître, tant bien, quand Ban Ki-moon fin laisse apparaître clairement, Ban péché qui Allah et son Rasoul fin empêché, Allah fin faire Ban l'ennemi de l'islam qui a été reçu le Ban. Et à le Coran, il clair, comme on a mentionné tout à l'heure, il n'y a aucune difficulté qui frappe nous, excepté ce qui nous plantait avec nos propres lamets. Alors, quand nous plantons titan, nous pourrons récolter. Et quand ça nous pense clair, nous pouvons récolter clair, nous pouvons récolter bon qui saute. Et pour prouver sa fausse idéologie de Frère Javet, il lui permet bien ça. Comment son idéologie est en contradiction, nous dire totale. Est en contradiction totale avec le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand nous guette la réalité. Nous guette la réalité. Allez à l'histoire de l'islam. À lire l'histoire, l'islam a été dans une dynastie qui vient tomber, qui vient arriver quand le système khilafa, l'islam, combien de malheurs a fait une frappe à un musulman? Pendant que le système khilafa, l'islam, ici présent, combien de malheurs a fait une frappe à un musulman? Il est là qui est arrivé. Qui est arrivé là? Alors, ce n'est pas vrai, qui sont système khilafa, vous m'avez dit avant ça, maman, chacun des gens qui fait pétrole là sur la case, chacun qui fait gagner l'eau, l'électricité cadeau. Alors, ce qu'on m'a dit, pas qu'il n'y a aucun problème. Non, il est faux. Alors, quand nous retournons dans l'histoire, nous prenons quelques exemples à créer, nous pouvons trouver qu'il y a la réalité. La réalité est une contredire ce qui t'a fait là, mais dire, et ce qu'il a accepté comme Khilafa jusqu'en 1924. Alors, quand nous guettons ça, nous guettons dans l'histoire, nous retrouvons beaucoup de malheur qui nous frappe sans matin. À 6 ans, parmi les malheur, c'est un Khilafa là. L'Empire ottoman et ben, l'Empire avant, c'est encore là. Qui va de malheur qui ne frappe pas de musulmans? Sinon, ben, dans cette idéologie-là, il n'y a aucun malheur qui ne frappe pas de musulmans. Parce que le système qu'il a pas d'ici là. Alors, ce n'est pas vrai qu'il y a un système qu'il a pas, aucun malheur, ou soit quand le système qu'il a pas vient tomber, c'est là qu'il va de malheur qui ne frappe pas. Numéro 1, les Ouïds de l'Hijja, l'année 317 Hijri, beaucoup avant 1924 ans. Les Ouïds de l'Hijja, l'année 317 Hijri, qui va de Taramit, qui fait la Makka, pourquoi nous tout connaissons? Qui va le caramide, qui fait la Makka, combien de monde n'a pas fini tuer, jusqu'à même, pas côté dans cette inversion, puis Zamzam s'y remplit avec cadavre de monde. Puis Zamzam s'y remplit, quoi de système qu'il a pas, il va ici là, ici là. Et seulement, il faut se pouvoir dire, quand bien un système qu'il a pas, il y a là qui va de malheur, pas de malheur. Alors, ils s'y massacrent, ils s'y devant la Kaaba, et ils s'y remplit l'écho, et Ban Hadi, je suis rempli, puis Zamzam avec l'écho de Ban Hadi. Je dis qu'aucun lasant, richesse, et je dis quand même, je suis déchiré à la toile, Kaaba. Si 10 ans, tu vas faire famous, tu finis à t'aller là, 10 ans, un musulman, combien il est sacré, ça, je n'ai pas pu respecter, à certains bouts de la toile. Par contre, ça, les bouquins qui sont de l'Amérique, combien ça, il fait ça aussi, à certains bouts de la toile, qui fait une enveloppe Kaaba avec ça, est-ce qu'ils ont moins de respect, ou ça,
et Al-Hajar al-Aswad, qui je t'y fais, je t'explose, je t'y prends, je t'y et pendant 20 balani, ça fait une descente, pour le banan. En année 492 Hijri, qui va créer saint hiver dans Jérusalem, ça rase Baitul Maqdis. Depuis, pas de musulmans, qui l'a pas cela, qui l'a pas cela, l'histoire est pour ça, alors c'est rase Baitul Maqdis avec pas de musulmans, et combien de musulmans s'est massacré. Troisième exemple, en année 656 Hijri, dans l'époque d'Ibn Taymiyyah, qui va tâter pas fin faire avec pas de musulmans. Qui va tâter pas fin faire avec pas de musulmans. Dans Bagdad, combien de musulmans de Nabafima massacré la colonisation. La colonisation vient commencer au frère avant le système qu'il a fait tomber en 1924. Les pays non musulmans, nous devons les pays arabes. Combien de pays arabes qui sont colonisés par la colonie britannique, française, portugaise, etc. Combien? Mais qu'est arrivé le système qu'il a fait là, ici là. En 1924, qu'il vient tomber. Nous prenons quelques exemples. L'Égypte en 1800, combien de bananes avant, système qui l'avait tombé, 100, 124 bananes. L'Algérie en 1830, qui l'a colonisé, beaucoup avant le système qui l'avait tombé. Pour nous savoir, ban musulmans dans l'Inde, si Pierre dit bataille contre ban anglais en 1858, et pour nous savoir, la Libye en 1910, qui l'a colonisé, et pour nous savoir, Maroc en 1910, pareil avec la. La Libye finit colonisée. Donc, pour me dire qu'il est le système qui l'a fait quand il est tombé, il est chuté, c'est là que la prime allée, il commence comme l'ONU, ça, il y en a des fausses, qui n'a pas vrai, n'a pas vrai du tout. À l'envers, quand il n'a pas connu l'histoire de l'islam, et n'a pas bien envie de connaître l'histoire de l'islam, et la réalité du prouve les contraires de ce qui est vrai. Donc, ça, le cinquième point, en ce qui concerne, est-ce que le système qui l'a pas, quand il est là, les musulmans s'y donnent bien, 100%, ou soit quand ils sont tombés après ça, ils vont mal à qu'ils soient plus. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sixième point, j'avais voulu dire un système khilafa. Qui est le système khilafa? Tout musulman, il y a sous un seul amir. Et si bien la salle dire, ben, tu peux en pays, tu peux diriger, mais gouverner dans différents gouverneurs, aucun gouverneur n'a pas validé, pas Shara'i, il n'a pas reconnu, et alors, bizarre, renverse tout ce travail du gouverneur-là. Ça même langage avec le Tahrir, tout ça même langage, ben, le gouverneur qui est dans l'Arabie, ou bien il est dans l'Égypte, ou bien tout ça même pays-là, bizarre, renverse. C'est ça, ce dit. Et puis il y en a d'autres qui. Il faut dire le Coran, Hadith, il faut dire c'est une témoignée, le printemps arabe. Cela invite des renversements. Il renversait qui est arrivé? Il renversait qu'il est dans Tunisie, ou bien dans l'Égypte, ou bien dans la Syrie, ou bien dans Yémen. Qui est arrivé? Pas d'arrivée, c'est pire. Donc ça, c'est pire. J'avais nous renverser à ce pays. Nous renverser à ce pays. Et connaît qui ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une enseigne est contrée. Ben, l'Ulama Ahmed, ça c'est digne de Ben Bidat. Parmi la puissance qu'il y avait d'indiquer encore, c'est des rébellions contre l'oppression. La vêche de l'islam, c'est inviter les peuples pour révolter contre l'oppression et l'injustice du gouvernement. Et ça aussi, il y a une question aussi qui est légalement qui est en contradiction avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ma petite parole, Huzaifa ibn Yaman, رضي الله عنه ليجيا لمشاهد الله صلى الله عليه وسلم تنجيا أفضل الله كنا من إمام من شيخ من كنا لوتوريتي écoute bien mon frère et ma sœur qui pas poursuit mon guidance et pas commence d'après mon sunna montre mon imam crier qui va de l'autorité pas fait suivre l'islam pas nouveau ça c'est une prédiction رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن جمعون فاميزون كي قوليبي جد بانزوم كي جد لكير سلكير شيطان دالافو إنسان بانزوم كي جد لكير لكير شيطان دالافو دي إنسان حزيفة رضي الله عنه لجي مفهم دماندي
parce qu'il est intelligent, parce qu'il a envie de faire des choses. Il a envie quand même de conseil pour gagner. Conseil depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui m'a mis à faire si moi je suis à l'époque-là? A demandé à Ben qui bougeait en haut. Mais là, ses réponses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi, t'es obligé à écouter et obéir à l'amir, même s'il y bat toi, l'autre les deux, et il y arrache ce du bien. Écoutez, obéir, pas la cause d'un dollar, pétrole, ou un reste d'yali. Ça, c'est conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un conseil pour garder sa ummala en paix. Un conseil pour garder du sang sacré. Ben, musulman sacré, pas non plus pour ma commande, ce qui fait jouer avec 10 ans donné à un musulman de créer. Donc, ça, c'est un autre également encore depuis frère Javé. Il y a une 28, 10, 80, 24, 37, que vous êtes en train. Bismillah, wassalam, wassalam, ala rasulullah. Nous sommes droits qui est là avec nous. Javé, ce rébellion contre gouvernement, c'est pas juste contre le gouvernement musulman, d'un pays musulman qui dirige dans le niveau universel. Il faut dire même d'un pays kafir, ils ont révolté contre une autorité kafir qui veut vivre dans ce pays. Il faut dire, ce qu'on appelle, ils ont fait un couf avec trois routes, ça veut dire, pour lui, veut dire, dans un pays kafir qui veut vivre là, ou bien reste révolté, faire des autres là-dedans. Les gens qui appellent faire un couf avec trois routes. Il y a tant qu'il peut vivre bien sur une autorité kafir, ça veut dire ou taouhid malade, ou taouhid, c'est un taouhid qui paye la coupe avec trois routes, de sauver avec coupe avec trois routes. Alors, ça n'est pas voilà, mais la doute qui dit contredire le Coran, dit contredire le Sunna, dit même contredire la logique. Quand nous retournons vers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte nous. Les prophètes Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, après qui Pinchéali depuis la prison, il vient demander avec les rois de sa époque qui tiennent kafir pour donner un poste pour l'occuper. C'est-à-dire pour le travail sur sa l'autorité kafir là. Et Yusuf alayhi salam, il continue le travail, il fait ses efforts sans qu'il. Ça, l'autorité là, tu en passes ça. C'est-à-dire, sous les rois kafir, Yusuf alayhi salam, puis le travail. Alors, pour Javed, Yusuf alayhi salam, c'est un rite malade. Yusuf alayhi salam, pas de couf avec ton route. Parce qu'il fait, faudrait vous rébeller contre ça, les rois là, les là qui appellent les là qui appellent couf avec ton route. Alors, nous avons dit, le Rahimallah, qu'il dit concernant Yusuf alayhi salam se l'état dans sa l'autorité kafir. Dit-il, de la même façon, Yusuf alayhi salam, il est représentant des pharaons, comme les pharaons, de cause les rois d'Égypte, pharaons de l'Égypte. C'est les rois d'Égypte à l'époque-là, pendant qu'ils pharaons et son peuple, c'est la mouchrique. C'est une dernière, avec Allah, il est affirmé, que les rois dans sa époque-là, ils sont kafir et ce peuple, c'est kafir. Dit-il, Yusuf fin faire la justice et les biens qu'il est capable de faire et il invite maintenant vers l'imam d'après son capacité. C'est-à-dire Yusuf alayhi salam, malgré qu'il y ait un prophète et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit concernant le prophète, voilà qu'il y a un peu de l'Ummatin, Rasoulan, Ali Abdullah, ou est-ce qu'il y a un niveau de ton route. C'est-à-dire que tout le prophète fin invite ce peuple pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour révéler contre ton route. Ça veut dire d'après, Javed, c'est Yusuf alayhi salam, tu fais une partie. Il dit ce qu'il y a, invite tout le monde vers, Tawhid, le Seigneur du Prophète, fais couvre avec toi, tu veux. Parce qu'il dit vivre sous l'autorité de ces rois-là. Alors, pour Javed, ce Tawhid plus pur, qui Tawhid excellent, de Yusuf alayhi salam. Comme jamais, quand nous guettons la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il connaît qui dans Makkah, qui cause des persécutions aux musulmans, c'est de subir. Jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve qu'il y a un des rois justes dans l'Abyssinie. Alors il ordonne une partie, un groupe musulman, pour que je quitte Makkah, pour que je reste dans l'Abyssinie, en bas de l'autorité de Dieu.
en bas, le dôme descend, les voies chrétiennes. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas besoin, qui dit, moi je vais d'abord, pas oublier, révolter contre ça les voies d'homme. Hein, c'est un qui dit, il n'a besoin de faire. Ou bien, comme elle a fini d'aller, tranquille, je me reste sous sa autorité, donc sûr du peur. Il y en a d'autres qui sont allés, je me dis, je t'islam droit, tranquillement. Alors, quand un ben, musulman pégaye, pour ce principe, je dis, tranquillement d'un pays, même si, dans ce pays-là, sur l'autorité kafir, et s'il y a un problème, il y en a d'autres qui ont un problème. Mais vous avez, pas fait faire ça, pas fait faire couvre avec, dans la route. C'est-à-dire, pour lui, faudrait qu'il s'en rembalade à l'avant, je te révolte contre les rois-là, les là qui s'appellent couvre avec dans la route. Alors, pour lui, il me trouve ce tawhid qui ligne qu'on voit, plus pur, qui même tawhid que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a enseigné et qui va en s'en rabattre, qui pratique le faire. Parce que, maintenant, pas qu'il révèle contre ça, l'autorité kafir qui s'est là dans la Messie. Et comme j'avais aussi dans un pays musulman, quand musulman majorité, l'islam qui empêche nous de sortir contre l'autorité là pour quand c'est dit qui s'emmène le roi musulman. Mais quand logique là-dedans, avec nous qui minorité musulmane qui est là d'un pays, quand majoritairement je carrière, pour qui, autour de ce petit groupe-là, il y a révélé, il y a fait des autres, contre nous vient de sortir contre l'autorité carrière, bien entendu, ça c'est sûr, c'est qui fait la même la logique là-dedans. Alors, par exemple, le Coran, le Sunna, la logique, tout, bien entendu, qui ça légalement. Qui avait bien vu Benjamin pour révéler contre ça l'oppression d'argent qui est dans la vie et qui est en vue, qui ça, c'est un post-système qui lui représente à Benjamin. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, qui amma ba'd. Quand même un point encore pour montrer qu'il dit qu'ils avaient été invités. Il voit la condense après le Coran et le Sunna, et compréhension des Ben Sahaba, et compréhension des Ben Ulama, dit des confiances. Si Ben Ulama fait sa paix avec Manjimoun, comme David, et semaine, comme béni, comme on nous a dit, c'est la même façon de gouverner, sous Ben sa paix. Vous êtes malade, ça, avec Ben Ulama, et avec Ben gouverner. Ce qui est plus agrinant, du moment où il y a un Jimoun, qui une pause d'idéologie, je pressé pour ces papillons, ça nous aligne, ça nous amène le mouvement. Comment aligne du monde qui vient de pause d'idéologie, ça amène le mouvement, ça qui vrai aligne. Tandis que le monde islamique, mon ulama fait recommande un tel aligne, pour lui non, ça c'est pas de lâche. Dites comment je te reconnais aligne. Mais lâche, ben ulama qui fait dire ça c'est mon ulama, ça non, lâche. Ben dimon qui aime dimon infini, une prose idéologie, déclaré à lui même qu'il est inconnu, il est personne pas connu, par mon ulama. Ou bien, par mon ulama, ben là quand tu as dimon là, dimon de fitna, auprès de Javed et son même compagnie, il peut considérer comme les héros, les chefs des man mu'min, ou bien les alim. Quand ça même, du moment où j'ai un l'État, ça n'a pas de candy, mais moi j'ai un commerce semblable. Comment j'ai un l'État qui peut venir à secours des bons musulmans, ça l'État-là, Amirul Mu'minin, la chère qui peut aider Ben Burma, ça qui est vrai, chef. Alors, là pour grâce, Saoudi. Là pour grâce, l'État saoudien. Qui fait? Parce que c'est un aide qui nous dit, soi-disant, c'est une parole qui nous parle des femmes musulmans de Burma ou bien même Rohingya, alors là, ça nous amène le mu'mini. Ça nous, l'État qui nous a reconnaît comme chef. Malgré qu'il y a l'État qui va là pour se dire pour déclarer comme chef, ou bien l'État qui va là pour reconnaître comme mon ami et qui là-bas, il y a plein d'argent, il y a plein de chefs. Et un plein bidra, ça va faire l'effet. Vous venez d'un haine qui ne souhaite pour un musulman, qui ne causait pas un musulman, rappelez pour là. Ça qui mérite vrai, Amir al-Mu'mini. Ça qui mérite d'être chef, un pays qui peut chef pour un musulman. Voilà bien le qui veut se sauver. Alors quand vous voyez, comment je dis, vous êtes malade avec un ulama, vous êtes malade avec
l'État saoudien aussi. Nous ne parlons pas pour comprendre l'État saoudien, mais seulement nous voulons faire justice. C'est le drôle si ça malade là, je suis malade au pays islamique, c'est du plus drôle. Et non, qui est malade à l'État saoudien, mais seulement je suis content avec ça-bas. Pas content, vous êtes content avec ça-bas. Mais seulement il est malade à l'État saoudien. Alors, comme je critique l'Arabie, c'est critique meilleur pays du monde qui peut être supporté par un ulama, qui nous reconnaît comme ulama. Non, moi, j'avais pas qu'à reconnaître Allah comme ulama. C'est une idéologie tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons mené, mes ulama de l'Arabie, mes ulama qui ont dit l'Arabie, comme nous avons Cheikh Al-Albani, beaucoup de l'Alwa, des Rizou Salah, tout une supporte l'État saoudien. Qui fait? Parce que l'Arabie, l'aide de la propagation des théories dans le monde, ça qui est premier. Alors, pour ça, du moment où on supporte même verbalement, à un peuple qui peut oppresser, là, le chef là. Malgré qu'il dans un pays, que son chef soit disant qu'il va la peur déclarer là, et ne plein de chef, ça n'a pas de problème. Mais l'Arabie est un pays qui se promet, monsieur, lui peut inviter des théories, lui peut prendre des théories, lui peut préserver des théories, et lui peut propager des théories, ça, c'est malade dans ce pays là. Avec qui? Avec quelqu'un qui nous garde là. On est d'accord avec nous là. Mais seulement, guette sa pays-là, c'est même critique, comme un ulama peut dire, peut critiquer meilleur pays, qui peut être supporté par un ulama. Un pays qui peut aider la propagation des théories dans le monde, un pays qui peut aider pour aider les sunnah authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui peut aider pour combattre Shirk et Bid'a, qui ne peut pas contenir aucun dalga, qui honore un ulama, qui applique la loi sharia, qui aide la propagation de la connaissance islamique en tout le monde, les aides musulmans qui dans la difficulté enchaînent le monde, malgré qu'ils m'ont déjà fait un zaza, mais seulement ils peuvent aider, qu'on s'amène à promouvoir le bien et empêcher le mal, et le pays qui nous reconnaît ça, et le pays qui est dans moins de mon cas en comparaison avec ben, les autres pays. Nous ne pouvons pas dire l'Arabie, comme un pays la toile blanche, peine à un tas, mais seulement. C'est seul pays qui mettait de la toile blanche et n'a moins tasse là-dedans. Alors nous faisons du droit pour sa quantité du bien qui l'Arabie est là. Nous faisons du droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Eh, Balla, pour tirer sa main de mon cœur qui n'a pas mis de temps. » Alors qu'est-ce que comment malhonnêteté de la part de Javed, un pays et ce compagnie, un pays comme ça, je communique avec les personnes, quand on a un mon cœur de pays là pour Balla se tait, la cause, ça même, c'est qu'il fait en ligne. Quand je devrais pas savoir qui connaît, les humains qui suivent les médias qui connaît, comment t'as en ligne, soi-disant, l'Arabie pour l'ouvert cinéma, c'est dit, il y a un coup de balle, là. Comment t'as en ligne, l'Arabie est un erreur, à la coup de balle encore pareil, là. Parce que nous avons l'Arabie. Les autres places entières, c'est un problème. Dans les autres places, la toile là noire, c'est une tasse blanche. Des tasses blancs, là. Ici, la toile là, blanc, elle a un des tasses noires, regarde ça noir là. Ça, c'est mentalité. Pourquoi vous dites que c'est dit, que justice, elle a des amènes dignes que je vais habiter là. Alors, l'Arabie est un pays qui a moins mon cœur en comparaison avec les autres 20 pays. Alors, nous ne pouvons pas apprendre ça mon cœur là, mais nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est sa l'autorité là, pour faire ce qu'il y a la compréhension plus, pour enlever mon cœur. Faire sa pays là d'une plus pure dans, sous la loi islamique et en premier, je préserve la théorie de l'Allah Azzawajal et je invite vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh bin Baz, rahimahullah, le dit l'animosité pour ça, l'État qui appelle l'État islamique là, c'est l'animosité pour la vérité et l'animosité pour la théorie. Si vous voulez agacer avec l'État islamique, en vérité, vous voulez agacer avec la théorie. Qu'est-ce que mon ulama veut dire? J'avais dit que je sauté, cinéma, l'autre, etc. Quand je suis dans Facebook, je vous prie qu'on y en faut. Cheikh Ousmane, je vais vous le dire, tu es l'os pour Allah. Nous ne connaissons aucun pays qui applique l'islam, comment ça paye, ça paye là, appliqué. Nous disons, Cheikh Albani, rahimahullah, le dire, je demande Allah pour qu'il sauvegarde l'état des théories qui sous le patronage des rois Fahad bin Abdelaziz. Nous disons les Khadim al-Haramain al-Sharifain,
Après ça, il y a tous les cas de Fahd bin Abdul Aziz, et qu'Allah étende sur la vie de l'obéissance et la droiture. Cheikh Al-Bahri, mon ulama, ça va l'amour pas croire qu'il y a de casseur. Je vais dire, c'est mon alim qui est casseur, l'État saoudien, c'est mon élan chili. Je veux dire, mais man qui est casseur avec arabe. C'est-à-dire, au point plus bien dit encore là. C'est-à-dire, avec arabe. Quand vous mettez Albani, Mokbel, tout, alors, Balla, tout, en basique, mais l'État des, ça m'a été là. Vous savez, Cheikh Mokbel, Rahimahullah, de dire, il est obligatoire de chaque musulman de tout le pays, musulman, pour qu'il y coopère avec sa gouvernement-là, même pas une bonne parole. Ça, c'est une bonne parole de mon ulama. Dis des confiances, comment dites-nous dans la droiture. Et pas, malheureusement, beaucoup parmi nous, un peu de maladie Khawari soit dans nous. Moi, je dis, comment les affaires, comment dire, nous avons une sensation. Quand nous faisons ça grain, nous avons une sensation. Nous disons avec Allah que l'Ici a sa mauvaise mentalité là dans nous. Et nous qui sommes encore, quand nous vous trouvez, quand l'ancien moufti de l'Arabie, Cheikh Mohammed bin Ibrahim, nous dit, le gouvernement saoudien qui a Allah soutenu lui, pour ce tawfiq et son assistance, dit tous les fascistes orbitales, qui bannent la loi fabriquée par Insan, prends en compte. Dit tous les fascistes refusent, les fascistes orbitales, qui bannent la loi fabriquée par Insan. Ce Banakou basé l'arbitrage de Sharia Allah ou Sunna de son Rasoul ou ce qui fait une Ijma Lola. Voilà, je trouve. Qui m'a dit la main pour dire l'État saoudien et Allah Facebook ou bien les autres places encore, ou bien M. David qui peut dire l'État saoudien. Salam, il dit un point que David y a avancé. Et ça, c'est une première différence vers l'islam qui est invité et l'islam qui va être le sunnah du haq, invite vers ça. Alors, il fait croire que c'est l'état islamique connu comme ISIS. Alors, c'est le vrai musulman qui fait participer à l'islam. Et c'est quand même, il fait partie de l'autre, comme Manro Rabba, TM. Technique chari islamique qui est remise dans le service hadith pour faire référence à Ban Rouraba de Ban étranger. Alors, les faits qui tout le monde en entier, pas fait la guerre contre l'Amérique, juste ISIS qui soi-disant fait la guerre contre l'Amérique, et ça c'est l'idéologie, et ça ferait là pour moi, vous faites tendre, et trop, la idéologie l'a fait réfléchir là-bas, ce idéologie fait réfléchir là-bas, alors ça Ban là, c'est Ban Rouraba. Les restes, tout le monde, c'est mal kafir, tout le monde fait mal comprendre l'islam. Alors, ça va là, c'est mal vrai musulman. Vertissant, mes formes, explosion, etc. Ça, c'est vrai l'islam, ça, c'est mal vrai musulman. Ça, dans le regard de sa frère-là. Dans la considération de sa frère-là. Les vrais, Aziz pas existé, avant Mohammed ibn al-Wahhab pas existé, mais seulement l'idéologie-là, costume là pas pareil, mais seulement, ben là, il met un autre costume aujourd'hui. Mais l'idéologie là, il est là à 100%, et peut-être qu'il vit pire tout. Et peut-être, il vit pire. C'est une photocopie des Man Khawarij. Oui, aujourd'hui, je ne parle pas comme Khawarij. Je ne sens ce costume là, je mets un autre costume aux autres. Mais seulement, l'idéologie là, c'est la même chose. C'est Man Khawarij dans l'époque avant. Peut-être aujourd'hui, je vis pire que Man Khawarij dans l'époque avant. Alors, van ulama, les van la juger, les van la indianou, qui sont là à Aziz, et si Aziz c'est vrai musulman, c'est vrai l'islam authentique, les van la juger, pas nous travail ça. Alors, van ulama n'a pas dit Aziz comme van qui fait présent le vrai islam authentique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est van frère des van l'Ishal en fait là, van Khawarij. C'est ça van la ça. Alors, nous guettons un peu idéologie à l'Isis qui s'apprête là, mais David, il me présente comme un vrai musulman. Je lui cause. Maman, je lui cause. Tellement action, tous les contraires de ce qui se cause, et ça c'est caractéristique des man Khawari. Je comprends sur l'islam. Comment je comprends l'islam? Le qui comprend sur je comprends l'islam? Je propre compréhension. Un musulman, il n'a pas gagné droit
comprend l'islam selon sa compréhension. Nous finissons l'autre avec Allah et son Rasoul pour comprendre l'islam. Comment les Sahaba, les Tabi, les Tabi, Tabiin, puis comprendre l'islam. Je présente même, je présente comme un vrai défenseur de l'islam. Elle est tout en bourrement, elle est tout plate un seul coup. C'est vraiment je demande vrai défenseur de l'islam. Alors Israël met tout plate un seul coup. C'est seulement des paroles. Ça me vient joli, joli causé. Mais l'action, c'est totalement les concrets. Qui vous fait dire à lui, van qui veut faire domination avec van dominer, avec van musulman. Ce vrai jihad, c'est tout van musulman, tout van innocent, tout van madame. Ça, c'est ce vrai jihad. Et un parmi les caractéristiques en cause, qui est ça fait se ressembler. Vous savez, depuis qui est-ce qu'il van khawarij? C'est al qui est un coup parmi les la commune de là-bas blanc. Comme il connaît comme un savant de l'islam, c'est van enfants. Il est allé dans une coupe et ça est tombé. C'est ça ma qualité, du monde là qui nous trouvait pas parmi eux. Et je considère tous savants sans exception. Et c'est à tous qui, comme on dit, on prend l'essence dans l'Arabie Saoudite. C'est à tous, comme on dit, un malaise. Prend l'essence, un savant, une prend l'essence, une grande dans l'Arabie Saoudite, ça ne l'a pas fait traiter. Ça va l'a fait traiter, mais traiter de l'islam et donne. Si tu es dans l'enfer, ça n'a là où il dit Aziz, il dit dans la qualité du monde qui est dans cette idéologie là, ça vous gagne, par exemple, une taxe noire, mais là vous faites, il y a un moyen d'aller gratis de l'enfer. À vous, là, dans l'enfer, d'ailleurs, ils vont lancer l'attention, parce que si vous avez fait, vous avez un commentaire, sur une post qu'ils mettent sur Facebook, alors nous, si vous prenez le 4 premier lettre de Al-Huda en nous, c'est A, Al-Huda A-H-W, N. أسأله دعوة النور إذا أهل الهوى والنار إذا ننهو بان عبيت الله لنفير alors ça c'est une preuve de ce qui nous fait de ce qui nous fait dire et nous prenons quelques paroles pour prouver ce qui nous fait dire l'île veut dire c'est un vrai musulman et nous dépendons de savant qui veut dire avant nous passe à parole devant le savant nous prenons parmi eux mêmes nous prenons parmi ceux même qui connaissent comme Abu Muhammad al-Adnani, Allah connaisse pas un prénom, un sérieux ou un faux nom, il dit dans une de ses paroles, nous trouvons que tout un gouverneur de ce pays-là est de l'armée. Tout gouverneur est de l'armée. Je suis fait course. Erida, l'apostasie sociale de l'islam. Je quitte l'islam, je renonce l'islam. Combat ban là, écoutez bien. Combat ban là, les prix obligatoires. Qui combat les colonisateurs qui fait participer dans la croisade contre les musulmans. Le code de la guerre croisade, c'est bien la guerre contre le chef d'État islamique là. Et je te l'armée, les plus obligatoires qu'il y a la guerre contre le kafir. Ça c'est din Aziz. Ça c'est din de Aziz. Et ben, le savant, il dit de confiance, il vient dire concernant Aziz, tu vois bien, il peut faire rien ou bien le savant qui vient connaître Aziz actuellement. Cheikh Awad, alors, on a dit, tu n'as pas pour trouver parmi là aucun savant ou étudiant. C'est-à-dire un savant qui fait propager l'islam, tawhid, sunna, ou soit un étudiant qui peut encore apprendre la connaissance, l'authenticité de l'islam. Le grand muhaddith de Medina, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il dit dans la description de Man Hadis, il dit, Van là, je demande caractéristiques. Et je demande acte, c'est mon acte des man khawarij. Aïdis, de caractéristiques et de action, c'est des man khawarij. Ça l'état qui va là appeler Daesh, bien pas appeler islamique. Ça l'état qui va là appeler Daesh en arabe, bien pas mettre le terme islamique avec lui, mais bien appeler seulement Daesh, c'est un nom qui est approprié pour lui. Daesh. Mais islamique, non. Parce qu'il peine à rien d'islamique dedans. Et nous terminons avec parole de Cheikh Souhaimi. Il dit la parole qui est vraie, c'est-à-dire concernant Aziz, c'est un Jamaat Khawarij. C'est un enfant illégitime des Khawarij. Khawarij est déjà illégitime, mais puis c'est là qu'il vous venez. Définitivement, si vous venez, illégitime, qui fait sa fille, qui déclare à un musulman kafir, quelques jours de cela, il y a une référence à Manat qui pose cette question-là, quelques jours de cela, ben là, finit-il mon cousin, ce garçon. Et là, c'est sur un veut dire quelques jours de cela, je finit-il ce cousin, ce garçon, avec qui prétexte il y a une mortale. Un qui fait une renonce, l'islam, ben là, pas il n'a aucun souci excepté
donne certificat jahannam, takfir. Il n'y a aucun souci. Excepté considéré un musulman qui n'a pas avec d'autres kamban pour faire. Tu n'as pas à nous, tu n'as pas pour nous. Pas, si tu n'as pas avec nous, tu n'as pas. Donc, qui gagne parmi nous aussi. Il a l'équipe à résistance. Alors, c'est non, maintenant, en tout cas, d'arriver. Il ne peut pas nous placer dans l'enfer. Et ça, là, je vais ignorant, je stupide, ban vais les dents, une fête poussée. Et ça, c'est le dixième point et le premier principe. Je termine avec ça, nous passons la parole avant les autres.